Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez assister à un face-à-face virtuel entre Serbes et Bosniaques, entre combattants serbes et bosniaques. Les combattants que j'ai choisis dans ce montage sont pour moi représentatifs de ce que j'ai vu tout au long, je dis bien tout au long de cette année 1992. Où je suis allé à Sarajevo en juin, puis en août et en octobre pour y faire des reportages tout à fait distincts. Ma femme est serbe, de Belgrade. Et qu'est-ce qu'est mon enfant? Mon fils. Il est né à Sarajevo, d'un père musulman, d'une mère serbe. Il est cosmopolite. Et il est bosniaque. Et il le restera toujours. J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de différence entre eux et nous. Maintenant, c'est fini. Nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. Trop d'atrocités ont été commises de part et d'autre. On ne peut pas nous séparer. Même dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine, nous nous sommes mélangés depuis des années. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre Serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Les animaux sont les Tcheniks ou les extrémistes serbes. Moi, je suis un montagnard, je faisais de l'alpinisme, je n'ai jamais eu d'armes de ma vie, je n'ai jamais tué de gibier de ma vie. J'ai un ami qui a été tué. Il était très lié. J'étais très, très lié avec lui. On jouait ensemble au foot. On se marrait bien. Je l'ai descendu dans les broussailles là-bas. Ils attaquaient nos positions. C'était un musulman. Depuis 4 mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible. Coller l'œil au viseur, tirer pour tuer, c'est le cas de Goran, l'homme en bleu. 4 mois que je suis soldat. Je veux pas être un soldat. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle, direction la France. Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastose dans la tête. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tireur embusqué? C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment, vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Je vois... Je sais pas. Mais Zoran, pourquoi tu fais toujours le pitre? Ça me maintient en vie.
Tu es tué, 2 heures plus tard on t'oublie, tu étais un bon ami. Comme si tu n'étais jamais né, c'est comme ça chez nous. Philippe, m'a dit en français. Je partirai de ce pas, je ne reviendrai jamais. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont un toit, qui ont un travail. Ils ne veulent pas la guerre, comme moi. Je ne veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème, il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les serbes. Il n'y a pas de problème entre les serbes et les croates, parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème, il est chez les hommes politiques. Les hommes qui veulent le pouvoir. Voilà, avec cette politique de malheur, nous en sommes là. Des hommes innocents s'entretuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va recommencer dans 10 ou 15 ans? Voilà mon fils qui arrive. À votre santé, que Dieu vous garde. Cache ton ventre. Mais au contraire, qui veut que je suis fort. De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises. Quand je pense à tout ce gâchis. Vous étiez étudiant? Oui, j'étais étudiant. J'étudiais la biologie. Oui, mon premier professeur de biologie est maintenant une tchétnique. Maintenant. Vous savez. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé avec cette femme. C'était une très très bonne professeure, une très bonne pédagogue. Que s'est-il passé? Alors, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Sur la première ligne, un bâtiment d'un étage, l'école de Zoram. C'était la classe principale. Ça me donne des frissons. C'était la place de mon frère. Et moi, j'étais ici. Ici, j'ai gribouillé Zorka, ou quelque chose comme ça. Que j'enlève mon casque. On avait une prof serbo-croate, et à 5 à 6 copains, on avait décidé de lui faire une farce. On avait collé une punaise avec du chewing-gum sur sa chaise. Quand elle est rentrée, on s'est tous levés pour la saluer. Et elle a dit « Bonjour les enfants, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va étudier. » Et elle a fait un bond en hurlant « Zoran, est-ce que c'est toi ?» C'était le bon temps. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous aviez comme professeur?
La majorité des profs étaient musulmans et croates. Il n'y avait que 4 ou 5 Serbes. C'était comme ça dans cette école. Pour moi, c'est horrible de voir tout ça. Pourtant, on était tous ensemble dans cette école. Même les parents y venaient. La classe est finie. Ding, 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 ding. Rat. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Simplement, c'est mon rêve. On aurait pu faire les choses autrement, mais c'est les autres qui voulaient ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir ? Ça, de ça, mais c'est la suite. Je ne sais pas. Qu'allez-vous faire après la guerre ? Qu'est-ce que moi ? Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. All fighters. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. What I mean? Qu'est-ce que je veux dire? Maybe peut-être je veux finir mes études. I want to finish the study and try to live in Et normal. Essayer de vivre normalement. If I stay alive. Si je reste en vie. Tu vois le petit terrain là-bas? La maison rouge. Tu tires là, sous la maison. Il y a des hommes qui sont planqués. Vise aussi un peu sur la droite. Attendez un peu qu'il soit découvert. Vas-y. Welcome. This is the Dublin place. Welcome. Yes, I know. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent ? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien ? Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Ça s'arrêterait. Moi, je voudrais que ça s'arrête. On serait tous heureux que ça se termine. On en a marre de se faire tirer dessus. On en a tous marre. On ne peut plus sortir. On se cache tout le temps. Tout le temps. Je suis allé les revoir 20 ans plus tard, tous ces combattants, qu'ils soient serbes, bosniaques. Et je leur ai posé des questions. Sur ce qu'ils avaient pensé de cette guerre qui les avait évidemment marqués et peut-être même détruits.
Donc, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et le pouce. Au revoir. À bientôt.